Je vais me lever. Oh là là! Vous savez que dans vos miroirs, il peut se cacher des monstres parfois, des trucs bizarres que vous voyez? Oh, et ben aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire! Oh. Hey, coucou petit pote bien, comment allez-vous? Moi c'est Nadej Kornodal, lui c'est Lourousson. Et aujourd'hui on va faire un nouveau jeu d'horreur qui s'appelle Mirror Mirror, en français Miroir Miroir. Et ça parle pas du tout de Blanche-Neige. Non non, c'est pas Miroir qui est la plus belle, c'est Miroir, quel est le psychopathe qui se cache dans mon miroir. Donc c'est un jeu d'horreur dans lequel il y a une fille qui a emménagé dans une nouvelle maison, mais il y a un miroir maudit, il y a des monstres qui apparaissent, des trucs chelous qui se passent chez elle. Bref, ça va faire très peur, préparez-vous, ambiancez-vous, mettez un petit casque, mettez-vous dans le noir et vous allez avoir des frissons. Mais également vous allez rigoler parce que Tati Nadi est là pour vous. Cliquez sur j'aime, ça me fait très plaisir. Ça se passe sur ordinateur, toutes les infos du jeu sont dans la description, c'est parti. Voilà, Mirror Mirror, c'est bien fait le titre parce qu'il se reflète dans lui-même, donc c'est un miroir. Mais il y a quelqu'un là dans le miroir. Bah, et puis c'est pas moi, hein. Déjà il n'y a pas de palmier. Et le t-shirt il est pas rouge, donc non non que nenni. Bon, eh bien écoutez, on y va. Start game. Regardez, fiu, je pensais que les boîtes n'allaient jamais s'arrêter, mais finalement j'ai réussi, j'ai déballé toutes les boîtes et je suis dans ma maison, ma propre maison. Ah, c'est petit mais c'est confortable et le prix était correct. Mon agent a appelé ça l'affaire de l'année, ce qui est bien parce que bon, ça m'a mis des années. La police, chute, il n'y a pas besoin de venir comme ça. Bon, ce qui est bien parce que j'ai mis des années pour économiser, pour donner un premier paiement. Waouh, c'est plutôt sympa le jeu, les graphismes et tout. J'aime beaucoup. En plus, il y a la pays de Zelda. Moi, j'aime la pays de Zelda. Trop bon, la pays de Zelda. J'adore cette chanson. C'est moi qui l'ai faite. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Une part... Oh, je meurs de faim après tout ce travail manuel. C'est une bonne chose que j'ai commandé une large pizza pour mon repas de déménagement, d'emménagement. Ok. Bon, bah alors mange-la. Oui, regardez, je peux me lever. Quoi ce bruit? Ah, c'est la radio. C'est sympa, mais je peux pas m'accroupir. Hein? Ok, je peux me mettre ici, je peux me lever. Il y a un livre. Il y a une télé. Bah dis donc, elle est déjà bien emménagée, la dame. Elle a mis des tableaux, très sympa. Elle a un frigo que je peux pas ouvrir. C'est quoi, ça? La salle où elle met la machine à laver. Ok. Des tableaux. Bonjour. Oh, mon bureau. Il y a un téléphone, des fenêtres, un ordinateur, une bibliothèque, un tableau et un placard. Sympa. Ma chambre. Oui. Avec une petite pelante. Il y a l'horloge. Ça, c'est pour dormir, mais non, 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 que nenni. C'est quoi? Un placard? Oh, j'ai peur. Sors de là, ferme le placard. Je peux allumer ou t'as les lumières? Non. Ok, on va fermer les portes. Ensuite, ici, oh, une salle de bain avec... Le jeu s'appelle Miroir Miroir, alors bon, j'ai un petit peu... Oh, c'est moi! J'ai cru qu'elle avait un palmeuillet, mais non, elle a des baguettes. Elle a des baguettes dans les jeux. Mais dis donc. Bon, elle est sympa. Elle est sympa, j'aime beaucoup. Et puis là, je peux prendre une douche, un bain. Là, je peux faire mes besoins. C'est très sympa, très sympa. Je peux allumer la télé? Non. Est-ce que je peux allumer la télé? Non. Y a quelqu'un dehors? Non. Ça vient d'où ce bruit? De chez moi? Pourquoi la radio, je peux plus l'allumer? Bizarre, il se passe des choses bizarres là. Oh, oh, oh. Bon, alors, je vais m'asseoir et je vais manger ma pizza. Mmh, miam, c'est trop bon la pizza. Ok, j'ai mangé. Oh, qui ça peut bien être? Je ne connais personne encore ici. Non mais il m'a fait très peur. Je peux même pas courir. Je vois personne ici. Attendez. Je regarde si je peux vous voir. Je vois un truc, mais... Bon. Oui, c'est pourquoi. Bonjour. Oh, il y a un homme un peu nerveux qui est devant ma porte. Et il y a de la sueur sur son front. Et... ravi de vous rencontrer. Moi, c'est Charles. J'habite en face dans la rue. Hello, je m'appelle Émilie. Comme de par hasard dans les trucs d'horreur, c'est toujours Émilie.
Je viens d'emménager aujourd'hui, désolé du dérangement et du bazar, mais je n'attendais aucun visiteur. Hein. Oh, oui, bien. Bon, je vous ai vu manger votre dîner à travers votre fenêtre, et je pensais que j'allais vous dire bonjour. Il me regarde. Manger ? C'est quoi ce voisinage creepy là dans lequel j'ai emménagé ? Non mais où ? Ses yeux évitent les miens de façon nerveuse. On dirait qu'il cherche quelque chose derrière moi. Vous vivez ici toute seule ? Je grogne intérieurement. Super, mon nouveau voisin est un creepy. Oui, j'ai acheté l'endroit moi-même, en réalité. Oh. Et est-ce que l'agent immobilier vous a parlé des propriétaires avant vous ? Un propriétaire avant moi ? Non, je ne me rappelle pas de ça. Mais avant que je puisse répondre, Charles est devenu tout pâle. Ne vous inquiétez pas, désolé, j'ai oublié quelque chose à la maison. Mais de quoi s'agissait-il ? Il m'a regardé à travers la fenêtre pendant tout ce temps ? Ah, peu importe, je voulais juste me reposer sur mon canapé ce soir, ne pas me soucier d'un voisin un petit peu gênant. Je vais regarder la télé et acheter des rideaux demain. Super. 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 Alors il a eu peur de quelque chose qui était derrière moi. Et moi je peux pas sortir chez moi. Bon, alors je peux manger la pays de Zeda. Je peux allumer le four. Je peux ouvrir le frigo. Rien, rien, rien. Bon. Alors bah j'imagine qu'on va s'asseoir. Et qu'on va regarder la télé. Ah. M'a fait peur la télécom. Ah. C'est quoi ça? Bonjour. Oui. Tu pourrais changer de chaîne? C'est quoi ça? Ça fait flipper, mais change de chaîne! Mais la roue de la fortune ou je sais pas quoi! Oh là 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 là! Mais arrête! Oui? C'est mon téléphone qui sonne ou c'est dans le film? Non, c'est chez moi. Lève-toi! Oh, mais qui m'appelle à cette heure? Oui, vas-y, Emily. Lève-toi. Il va voir. C'est où déjà? Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Ouais, c'est là, je crois. Allô? Bonjour. On dirait une banane. Ah, on dirait une banane, l'ombre. Allô? Y'a quelqu'un? C'est quoi ce bruit? Y'a quelqu'un qui fait... Mais calmez-vous! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais est-ce que c'est ce Charles transpirant qui m'appelle maintenant? Bon, peu importe, je m'occuperai de lui. Ah! Mais ça va pas la tête! Qu'est-ce qu'il a, Charles? Qu'est-ce que tu fais, Charles? Bon, bah j'imagine que c'était pas lui au téléphone. Non, mais mon Dieu, mais c'est quoi ce quartier? Il est rempli de gens creepy et bizarres. Oui, tu m'étonnes. Tu devrais déménager, Emilia. Emily! Oh, je suis si fatiguée, je vais aller dormir. Je vais me laver les dents et laver mon visage d'abord. Bonne idée. Faut toujours laver son visage le soir et le matin, mettre ses soins, ses crèmes et tout. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Au revoir. J'adore faire ça. Bon, est-ce que je peux me coucher maintenant? Non. Il faut que je me lève. Il faut vraiment faire les choses qu'elle dit, hein. Donc, se laver les dents, se laver le visage, patati et patata. Tu veux pas faire pipi popo? Non, je demande, on sait jamais. Y'a quelqu'un dans le miroir? Non. Y'a que moi. Alors, être prête pour le lit. Je clique. Elle va commencer par quoi? Ok, il faut ouvrir ça, d'accord, c'était juste pour me positionner. Donc, il y a une brosse à cheveux, des médicaments, du fil dentaire, un peigne et se brosser les dents. Bon, j'ai toujours peur quand le miroir bouge comme ça, là. Frotte, frotte, frotte bien. En haut, en bas, en diagonale, les dents du fond, les dents de devant. Ok. Allez, retourne à la maison, la brosse à dents. Je la pose là. Qu'est-ce que c'était que ça? Est-ce que je vois des choses? Bon, je vais laver mon visage et je vais aller au lit. Ok. Tiens, c'est horrible. Oh non, il y a de la fumée maintenant. Non. Bon, super. On prend le savon?
Comment on fait? Non, il faut laver le miroir. Non. Ah, qu'est-ce que c'est que cette main? Ah, il est où? Mais calme-toi. Ouh là là. C'est moi qui ai fermé la porte? Ok, je dois être très fatigué. Je vois des choses qui ne sont pas là. Bon, on s'en fiche de cette soirée bizarre. L'heure d'aller au lit. Non mais moi, il se passe ça. Il est hors de question que je dorme ici. Je prends mes queliques, mes quelaques. Je m'en vais d'ici. Je ne dors pas là. D'ailleurs, c'est ce qu'elle va faire. Tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas. Voilà. Mais on peut pas s'en aller. C'est horrible. C'est horrible de pas pouvoir décider de faire ce qu'on veut et de voir le personnage comme ça foncer vers l'horreur. Bon, je ferme toutes les portes. Voilà. Non, mais la porte, elle me traverse, regardez. Oui. Bon, c'est pas grave. Y'a personne dans le placard? Non, y'a personne. Je vais laisser ouvert le placard. Allez, je m'allonge. On fait un bon gros dodo. Oh, tu m'étonnes, elle est très fatiguée après le déménagement. Feu! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est la nuit? C'est quoi cette boule? C'est quoi ce truc? Bonjour la boule. Bonjour? Il y a une boule qui flotte. Non mais de mieux en mieux. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Bien sûr, elle veut que je regarde le miroir. Bien sûr! Comme de par hasard. Y a quelqu'un? Mais pourquoi je suis en noir et blanc? Regardez, c'est moi! Oh! Qu'est-ce que... Oh! Mais je suis lui? Qu'est-ce que... Mais pourquoi c'est un pantin? On dirait un pantin. Ah ah ah! C'était un cauchemar, dites-moi. Ok, c'était un cauchemar. Oh là là, c'était un cauchemar vraiment étrange. Attends, qu'est-ce qui cogne là? Quelque chose qui cogne. Mm-hmm. Je vois rien qui cogne. C'est la nuit encore? Quelle heure il est? Oh! Minuit 20, mais j'ai pas dormi du tout en fait. Qu'est-ce que... Bonjour. Ok, ça doit être... ça doit être la porte qui coulisse toute seule. Je vais appeler un ouvrier demain matin. Et pendant que je suis là, ben, je devrais aller aux toilettes. Ok. Mais allume les lumières. Ah, je peux m'asseoir? Pourquoi je peux m'asseoir là? Ok. Je peux m'asseoir. Bon. Est-ce que je peux m'asseoir sur le canapé? Ah oui? Bon. Mais je peux pas remettre la télé. Oui, oui, moi ça m'aurait plu de mettre la télé. Un petit bruit d'ambiance. Par là, je peux toujours pas y aller. Mais c'est une zone condamnée de chez moi ou quoi? Bon. Personne dans le miroir? Coucou. Regardez, on me voit à moitié. Et coucou. Oh oh. Rigolo. Bon, allez. On utilise les toiles. Oh là 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 là, mais non! Oh mon dieu, non, non, réveille-toi, Amélie, c'est juste un autre rêve. Je vais me lever. Oh là 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 là! Fuis! Fuis! La télé, elle s'allume toute seule! Mais pars! Oh là là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez de la pideuse? J'en ai pour vous si vous voulez. Oui? Arrêtez de me regarder de façon. Ah, ah, ah. Bonjour. Oh. What? Mais où est-ce que je suis? Bah c'est vrai, ça t'es où? On dirait que t'es dans un long couloir. On dirait que... Oh non! Elle est passée de l'autre côté du miroir. Regardez, elle est coincée dans le miroir. Et elle se voit elle-même, mais c'est le monstre qui a pris sa place. Oh. C'est une tragédie de I. Hello, hello, est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, sortez-moi de là. C'est pas la vraie Emily. Hello. Ah! Mais arrêtez! Hein? Ça se termine comme ça? Mais c'est un vrai cauchemar, cette histoire. Ah non, ça fait trop peur. Imaginez, vous êtes enfermé dans un miroir comme ça et tout. Ah, non, 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 non. Ça fait trop peur. Bon bah écoutez, moi je crois que vous allez faire des cauchemars, parce que moi je vais en faire. Franchement, je vais plus oser me regarder dans le miroir. Bah dites-moi si vous, vous avez peur d'un miroir, bien sûr. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous et regardez notre vidéo de Nadège Candle. Merci. Bisous, bisous, mes petits palmiers. Bye bye.